Donc effectivement, sur ces routes des Alpes-Maritimes et du Var, on va retrouver Romain qui va entamer en Europe sa saison 2020 avec beaucoup de détermination sur un parcours très accidenté, taillé pour les grimpeurs. Je pense que les sensations de Romain sont bonnes actuellement. Il a bien récupéré de son voyage en Australie, du choc thermique, du décalage horaire. Voilà, il est là depuis quelques jours pour justement reconnaître ces étapes-là. Je pense que l'équipe AG2R à la mondiale avec Romain a la capacité à peser et à se mettre en position de gagner. Très content de rattaquer. Je ne me prends pas trop la tête. On va voir au fil des jours. Il y aura une grosse concurrence et surtout une belle équipe avec Benoît qui marche très fort. Et c'est vrai qu'il y a trois arrivées dures. Donc c'est clair que je vais pouvoir m'étalonner un petit peu et voir où j'en suis pour la suite.